Alors voilà, notre village est officiellement ouvert et puis on va, pour la symbolique, distribuer des petits morceaux de tissu de ce nœud à nos partenaires, notamment l'EPF qui est là, aux adjoints qui sont là et qui nous ont soutenus dans cette belle opération, à tous les membres du conseil municipal qui sont présents. Alors le village Pointe-à-Pitre, ville d'accueil, village aux mille et une saveurs, ouvre donc aujourd'hui officiellement ses portes. On s'excuse parce qu'on a eu un petit décalage indépendant de notre volonté. Pour celles et ceux qui étaient déjà là dès 10h pour l'ouverture, on remercie bien entendu l'ensemble des exposants qui ont fait diligence pour qu'on soit prêts ce matin. Certains sont venus toute la nuit pour pouvoir s'installer, qu'on soit fin prêt. Merci à vous déjà, d'ores et déjà, aux exposants, aux culinaires, aux personnes de passage, notamment aux touristes, aux vacanciers qui attendent depuis un moment de pouvoir rentrer dans ce village. Ce sera chose faite. Le village de Mille et Une Saveurs, c'est 17 jours d'animation, 17 jours de valorisation de l'artisanat, 17 jours de festivité. 17 jours d'animation en tout genre, jeux. On aura également des animations musicales. D'ailleurs, on remercie, hein, depuis une heure, on a le groupe emmené par Guy Jacquet qui nous accompagne. Officiellement donc, nous vous invitons à rejoindre ce village, Pointe-à-Pitre, ville d'accueil. Eh bien, je suis très heureux d'ouvrir officiellement ce village des Mille Saveurs. Nous avions un objectif que nous avons atteint, qui est depuis plusieurs mois, nous avons mobilisé les associations. Elles ont massivement répondu.
nos partenaires habituels, les bailleurs, l'EPF, la SPHLM et d'autres, la SICOA, ont répondu à notre appel. Et grâce à eux, grâce à notre partenariat, nous avons pu réaliser ce beau village qui va permettre qu'en arrivant à la Darse, en arrivant à Pointe-à-Pitre, même si la course s'appelle Route du Rhum Saint-Malo-Guadeloupe, mais en arrivant en Guadeloupe, ce n'est pas au Pointe-à-Pitre qu'on rentre en Guadeloupe. Pointe-à-Pitre, c'est la porte de la Guadeloupe, c'est le centre, c'est le cœur. Et sur cette place de la Victoire, c'est là que les Guadeloupéens, les Caribéens expriment leur tristesse et leur joie. C'est une place mythique qui a une force symbolique. Donc, la route du Rhum n'est pas faite et rien n'est pas fait sur la place. Donc, c'est pour ça que nous mettons la place en place. Et quand la place de la Victoire est animée, eh bien, Pointe-à-Pitre est dans la place. On peut dire que Pointe-à-Pitre est back. Voilà.